Et salut toi derrière ton écran, ben c'est moi, c'est Coco. Je viens vers toi pour te parler donc d'un make-up qu'on va réaliser ensemble. C'est le liner graphique. Déjà, comme tu l'auras vu, j'ai réalisé mon teint. Donc, tu auras besoin pour faire ce liner graphique d'un crayon à liner. Les eyeliner crayon gel de chez MAC, exactement. Donc, on y va. Donc, c'est un crayon qui est dans les argentés un peu pailletés, dans les gris argentés. Et c'est avec ceci qu'on va réaliser notre liner. Je regarde droit devant moi et je viens faire ceci. Je trace déjà un premier trait. Tu viens créer cette forme-là. De donner ceci. Et on vient refaire un trait d'eyeliner normal. Donc, une fois que tu en es là, que tu as réalisé ton liner, que tu as fait ta forme comme ceci, le maquillage est pratiquement terminé. Il faut juste travailler maintenant ton ras de cils. Pour travailler ton ras de cils, tu vas venir crayonner le ras de tes cils inférieurs. Et si tu le désires, tu peux aussi venir faire un crayonner ta muqueuse interne, là, l'intérieur de ta muqueuse, avec ce même crayon. L'avantage de ce crayon, c'est qu'il est waterproof. Donc du coup, il résiste à la transpiration et à l'eau. C'est venir utiliser un fard mono, celui-ci de chez MAC Cosmetics. C'est le. Tiens, je te mets la référence. Et je vais venir donc appliquer ce fard en fait en coin interne de mon œil. Avec le 231 de chez MAC, le pinceau qui est comme ceci. Un pinceau très de détail, un pinceau de détail. Je viens prendre mon fard, hein, le fard gris métallisé, qui est même pailleté, et je vais venir l'appliquer comme ceci, je vais te montrer. Tu le mets bien en coin. Je viens également venir le mettre ici. Je vais venir utiliser le MAC Stack de chez MAC, qui est un mascara qui est waterproof, celui-ci, et je viens le mettre sur mes cils. Donc voilà le résultat une fois terminé. Maintenant, il ne reste plus que les lèvres à faire. Pour les lèvres, moi, je vais juste venir mettre un gloss transparent de la marque Zao. Alors, j'ai deux possibilités, soit rosé ou soit neutre, mais je crois que je vais mettre du neutre aujourd'hui. Un neutre. Donc celui-ci, c'est le 0,12 de chez Zao. C'est un gloss
Donc, comme je dis, transparent, un peu rosé. Voilà. Voilà pour le make-up du jour. J'espère que ce make-up t'aura plu. Et n'hésite pas à commenter, à me suivre. Si tu as envie de me suivre, n'hésite pas. Je te dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.